En Côte d'Ivoire, les autorités ont commencé à mettre en œuvre un vaste programme de construction de 60 000 logements sociaux à Sogane, une banlieue située à 10 km d'Abidjan. Les travaux avancent et l'apport personnel du client est une condition pour bénéficier du projet. Même l'État allait plus loin. Ceux qui n'étaient pas éligibles sur ces quatre projets-là, l'État a pensé à un dernier programme qu'on appelait l'ULEM, lotissement équipement modéré, qui consiste pour l'État à trouver des terrains qu'il viabilise. Après viabilisation, on bâtit là-dessus des plateformes dites sécurisées qu'on vend à la population. En Côte d'Ivoire, comme dans d'autres métropoles africaines, au moins 40% de la population est urbanisée. Dans ce contexte, loger convenablement tout le monde apparaît comme un défi qui interpelle l'imagination.